Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, le verset que je vais étudier avec vous aujourd'hui est jour de Sainte-Cène. C'est le jour que pour être préparé pour aller à la maison de Dieu avec la communion, avec l'Esprit-Saint, manger le corps du Seigneur, boire son sang aussi. C'est une très grande bénédiction pour nous tous, au nom du Christ bien sûr, d'être alors ferme dans la parole de Dieu. Voyons maintenant ce qu'il dit aux Romains chapitre 5, 19. J'adore prêcher ce verset-là et d'y méditer parce qu'il est bon. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, hein, Adam, donc la multitude a été rendue pécheresse, toute l'humanité. Hein. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste, tout individu qui a accepté Jésus comme sauveur. Hein. Donc nous avons été contaminés par le péché d'Adam, et il n'y a pas comment inverser cela. Il y a déjà eu comment, mais a déjà été fait l'inversion, quand Jésus est mort sur le calvaire. Aujourd'hui, il suffit juste que n'importe quel pécheur accepte Jésus et dise « Dieu, je reçois cette bénédiction pour moi » et cette personne est alors pardonnée. Vous allez à la Sainte-Cène, vous y allez de cette manière-là aujourd'hui. Regardez cette personne qui a été bénie, son témoignage, et je reviens juste après cela. Ça fait bien un an que je supporte cette douleur, presque sans pouvoir marcher. Il y a un jour, la semaine passée, où mon gendre et ma fille ont dû me porter jusqu'aux toilettes parce que je ne parvenais pas alors à me lever. Comment vous êtes venu jusqu'ici aujourd'hui ? Je ne suis pas bien arrivée. Montrez-nous comment est-ce que vous êtes venu. Ah, je suis venue en marchant, appuyée sur mon ami qui est venu avec moi. Mais grâce à Dieu, je... Marchez normalement à présent, allez-y, allez. On applaudit Jésus, gloire à Dieu. Prions maintenant à présent, bien-aimé Dieu. Merci parce que l'obéissance de Jésus m'a fait être sauvé. Je suis alors libéré parce que je suis de Jésus. Et je te remercie, ô Dieu, pour ce que le Seigneur est en train de faire. Et au nom de Jésus, merci beaucoup, Seigneur. Père, c'est pour ta gloire, oui. Donne une véritable communion, alors, pour cette personne avec toi, aujourd'hui, dans la Sainte-Cène. Au nom du Seigneur, Amen.